Las Tiesas Altas est un village de la province de Huesca, dans les Pyrénées aragonaises, à 1050 mètres d'altitude. En 1627, dans ce lieu, trois maisons appartenant à la même famille furent construites, vivant principalement de l'agriculture et de l'élevage. Las Tiesas Altas ne compte actuellement que 5 habitants. Depuis 28 ans, dans cet endroit niché au creux de la montagne, a été créée une auberge végétarienne tenue par un jeune couple et leurs deux enfants, accueillant des cavaliers, des randonneurs, passant d'une vallée à une autre, ainsi que les personnes désirant se ressourcer en pleine nature, faisant halte pour se restaurer, se reposer et dormir. Nous avons rencontré Francisco Ravier, qui est venu se détendre quelques jours dans ce lieu paisible, en jouant de la guitare pour le plaisir du plein air et de la musique. Endroit idéal pour oublier le stress des problèmes urbains. Ce petit hameau est constitué des bâtiments suivants. Une petite église, un puits couvert, un pressoir à raisin, une place pavée circulaire, une étable. Ce bourg a également servi de décor au tournage du film « Que meurent les moches », film espagnol. Un coin qui garde encore tout son charme et sa saveur locale dans cette vallée pyrénéenne. Ce fut une belle trouvaille et nous continuerons à vous faire découvrir d'autres endroits insolites.